Russia's aggressive invasion of Ukraine has shocked the world and will reshape the geopolitical landscape forever. But Russian aggression online, through disinformation campaigns and hybrid attacks against the West, started many years ago. Other foreign actors, like the Chinese government, are also involved in these dangerous practices. Under the leadership of the S&D group in the European Parliament, a special committee on foreign interference was created to fight these hybrid threats. After a year and a half of investigative work and dozens of hearings, its members finally voted on an ambitious report to strengthen European resilience. Il était urgent d'établir d'abord un diagnostic sur les menaces et les attaques contre les démocraties européennes, des attaques qui sont fomentées par des États étrangers hostiles. Ces attaques, elles sont de diverses natures. C'est les cyberattaques contre nos institutions, c'est les campagnes de désinformation sur les plateformes, c'est la captation des élites. C'est aussi le financement des partis politiques et des campagnes politiques qui visent à ébranler nos institutions par l'étranger. Io credo che grazie al lavoro della Commissione Inge il Parlamento europeo ha fatto uno straordinario passo avanti, molto significativo nella lotta alle interferenze, nella lotta per difendere i valori democratici europei. We prepared a very good report and it is summarizing our findings, but it's also putting the finger where the problems are, which is the platforms and the algorithms which are boosting fake news campaigns instead of normalizing debates. It is a lack of rules regulating social platforms, but also a lack of rules for financing of political parties. There is a lot of foreign money and foreign interest coming into. And what we also found out is that the extreme right of Europe has strong link to those which do foreign interference, like Russia. Del nostro lavoro abbiamo dato vita a tantissime audizioni, diverse occasioni di incontro, alcuni momenti molto particolari e devo dire che sono particolarmente legato ai momenti attraverso i quali attivisti hanno preso la parola grazie alla nostra commissione, perché l'Europa deve essere questo, deve essere sempre uno spazio di libertà. Le Front National affiche un positionnement pro-russe de longue date, depuis l'éclatement de l'URSS, mais au moment de ces prêts, de ces financements, le lobbying s'est intensifié de manière assez spectaculaire, ce qui s'est concrètement illustré par une défense des intérêts russes à travers des déclarations publiques, des vidéos de propagande, des votes, par exemple contre l'accord d'association avec l'Ukraine ou contre le rapport sur la propagande anti-Union européenne du Kremlin. Существуют серьезные основания полагать, что кроме убийств оппонентов, Кремль занимается на территории Евросоюза откровенными диверсиями. Я говорю про взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли двое чешских граждан. Alors, on peut toujours tenter de discuter du Tibet, de Taïwan, des Ouïghours, de Hong Kong, de la situation des ouvriers migrants, mais uniquement dans les termes du Parti communiste. Et le mieux, c'est de ne pas en parler du tout. Another important problem identified by the special committee is a phenomenon called the capture of European elites. On retrouve des gens de tous les groupes politiques et de tous les pays qui, une fois leur carrière finie, mais juste deux secondes après, vont signer des contrats mirobolants avec des entreprises qui sont des bras armés de régimes hostiles à nos principes et à nos intérêts. Et donc il va falloir mettre un terme à cette grande trahison des élites. Raphaël Glucksmann. Harmonisons les lois électorales et interdisons les financements étrangers pour les partis et formations politiques. Traquons les citoyens prête-nom et les sociétés écrans. Investissons massivement dans notre cybersécurité et sanctionnons bien plus durement les États qui coordonnent les attaques contre nos institutions. Imposons des responsabilités aux plateformes numériques. Construisons un système pérenne de protection de l'espace informationnel européen. Faisons-le vite. We have to do more as European Union in order to fight this disinformation and interference. We need to build up an entity which is really able to fight. We have to flag, we have to delete, we have to counter. And I think the parliament has to have an oversight, has to look in it. So the question is also how we can continue with the work, because now there is a report, but the real work starts now. We have to defend our democracy from this foreign interference.
abbiamo aperto una porta, ora dobbiamo fare molta strada per continuare a far sì che le istituzioni europee e i singoli stati nazionali siano efficaci sul piano della lotta alle interferenze esterne, sul piano del contrasto ad ogni forma di ingerenza da parte di soggetti autoritari. Moi, je suis content qu'on puisse continuer notre travail pour défendre les démocraties européennes, en particulier dans la perspective des élections de 2024. Parce que vous savez, les ingérences, ce n'est pas un phénomène éphémère. Ce sera une guerre de basse intensité continue. Et il ne fallait surtout pas que le Parlement européen se dise « c'est bon, on s'en est occupé » et ensuite le sujet disparaît dans les différentes commissions. Il faut qu'on arrive à maintenir notre attention focalisée sur ce problème-là et qu'on fasse en sorte que les citoyennes et les citoyens européens aillent voter en 2024 dans des conditions de sérénité et de sécurité. Can we win this battle? I think democracy and our society is worth to start this battle, and I'm sure also at the end the truth and democracy will always win.